just like a Sunday. We must up the place, turn up the bass and make them all have fun. Skrillex ablaze the fire, make it fun. We must up the place, turn up the bass and make some sound. Why run? Bonjour à toutes et à tous. Nous voici aujourd'hui pour la présentation de Call of Duty Ghost. Ce Call of Duty, il est génial. Je trouve qu'ils ont vraiment bien fait tout. Vraiment, il est génial. Donc voilà, je vais vous présenter d'abord le mode multijoueur. Donc on va aller en multijoueur. Hop, attends le petit chargement. Qu'est-ce que je peux dire par rapport à ce jeu? Ce jeu est vraiment extraordinaire, je vais dire. Ils ont vraiment bien amélioré les graphismes, l'interface et tout. Quand vous voyez, regardez déjà ici derrière, je trouve ça hyper beau. Mais comment ils ont pu faire ça, quoi? D'habitude, ils font toujours des jeux qui se ressemblent vraiment fort. Mais ici, je trouve qu'ils ressemblent, mais pas tant que ça. BO2 m'avait déçu, mais là, j'aime bien. Donc voilà, il y a ici, chercher une partie, comme vous savez tous. Comme toujours, donc il y a la standard, il y a match à mort par équipe, comme toujours, enragé, donc vous tuez un ennemi, puis vous courez plus vite, vous rechargez plus vite et tout ça, pendant 30 secondes, et vous tuez à chaque fois un ennemi, afin de garder tout le temps ce truc là, mais il faut rester tout le temps, pendant les 30 secondes, tuer un ennemi, toutes les 30 secondes maximum. Éclair, c'est un peu comme le jeu point stratégique qu'il y avait dans MW3, quand vous y allez, il y a un colis, un truc du jour qui vient. Donc voilà, il y a recherche et sauvetage. Donc vous tuez une personne, il y a une plaque qui tombe. Si c'est vous qui la ramassez, la personne ne peut plus réapparaître. Par contre, si c'est un autre équipier de celui que vous avez tué, s'il la prend, il réapparaît. Donc c'est une R&D, mais un petit peu mieux faite, quoi. Affecté, c'est comme sur MW3, vous êtes affecté avec un couteau balistique, un couteau et une insertion tactique. Ceux qui sont ceux qui sont pas affectés, ils ont EIM et un fusil à pompe. Élimination confirmée, vous tuez des personnes et puis vous avez des plaquettes. Domination, contrôler les trois drapeaux, ABC, vous savez. Trace, c'est vraiment un jeu que j'ai adoré. C'est vous allez vous attraper où il y a des colis stratégiques qui tombent un peu partout. Vous attrapez, vous prenez une arme. Et l'arme, c'est pas vous qui choisissez, mais bon, il y a plein d'armes et c'est vraiment génial. Vous commencez avec un petit gun et tout, et puis après vous avez une belle arme. Donc ça, je trouve ça vraiment génial. Il y a la mêlée générale, donc vous êtes là. Et vous amusez à tuer tout le monde, quoi. Le premier arrivé à 30 kills, comme toujours. Et combat tactique par équipe, c'est une partie rapide en 4v4. Match à mort, enragé, éclair et élimination confirmée. Il y a aussi de la recherche avec sauvetage, parce que tantôt on a joué et il y a eu. Il y a le hardcore aussi, la match à mort hardcore. Élimination confirmée, hardcore. Et la recherche et sauver en hardcore. Il y a aussi clan vs clan, donc match à mort de clan et objectif de clan, donc il faut être minimum 4. Donc voilà, il y a aussi ici, créer un soldat. Ici, moi j'en ai déjà acheté un autre. Donc voilà, vous avez des jetons qui sont dorés. Donc voilà, quand vous appuyez sur carré, jouer carré, spécial. Donc voilà, vous avez ça, c'est pour jouer quand vous avez expert au canon long, vous l'avez. Et là, c'est quand vous avez l'expert au zoom ajustable. Voilà, c'est pour se cacher au sniper. Il y a le sexe, donc vous pouvez choisir homme ou femme. Si je prends un mail comme ça, Le visage, vous pouvez le personnaliser. Ici, j'en ai débloqué quelques-uns. Donc, il y a ce visage-là que j'ai débloqué. Celui-ci. Et celui-ci. Il y a un peu pour tous les goûts. Moi, je trouve que ça, c'est assez cool parce que je trouve qu'on n'a jamais eu ça dans un Call of Duty. Pouvoir changer son personnage comme ça, je trouve vraiment ça bien. Donc voilà, ici j'ai aussi ce casque là, moi, et je vais mettre une petite casquette. Je crois que j'ai une casquette, mais je suis pas sûr à 100%. Hop, voilà. Il y a les uniformes aussi. Donc, moi j'ai débloqué quelques uniformes. Vous voyez, il y a des uniformes vraiment pas mal. Je prends vite fait mon uniforme, hop, et regardez, hop,
je vous fais un peu le tour. Il y a vraiment des uniformes pas mal. Celui que je préfère, c'est vraiment le dernier. Voilà, en rouge, je trouve qu'il pète vraiment. Il y a aussi les écussons. Donc voilà, vous avez les écussons standard. Vous commencez avec ça. Tout le monde peut les avoir. Tout le monde peut choisir. Moi, j'ai choisi un petit tigre. Il y a aussi les écussons que vous débloquez. Donc il y a tout ça. Ceci. Il y a encore ceci à côté. Donc ça, c'est avec les atouts. Ça, c'est écussons d'armes. Et ça, c'est écussons à classifier. Donc c'est avec les clans. Donc il y a l'arrière-plan. Donc moi, vous voyez, c'est avec des armes. Là, on peut mettre des ordinateurs. Si. Il y a encore plein de trucs. Vous imaginez pas. C'est vraiment bien. Je trouve qu'ils ont vraiment bien fait ça. Donc voilà, le meilleur, c'est un peu les deux, quoi. Ça représente Ghost. Donc il y a MW3, Black Ops 2. Les trucs des prestiges. Parce que ça, je crois qu'il faut avoir au moins fait un prestige. Prestige atteint au moins une fois dans Black Ops 2, ouais. Et si prestige atteint au moins une fois sur MW3, sur ce compte-ci, je l'ai pas encore fait, mais bon, tant pis. Voilà, prestige max atteint, prestige max sur Black Ops 2. Faites monter votre clan à 4 niveaux, 5 niveaux, 7, 19. Donc voilà, il y a tout, il y a plein de trucs vraiment bien. Et la marque de clan, donc ça vous choisissez, marque personnalisée. Moi ici j'avais mis mon nom vite fait, mais je vais remettre mon nom de clan. Hop, voilà. Donc les armes, vous cliquez, il y a le fusil d'assaut Honey Badger. Je trouve que celui-ci il est vraiment bien. Il est muni d'un silencieux automatiquement. Le silencieux intégré de tirer sans être détecté. Donc voilà les couleurs, c'est comme si ceci, vous appuyez sur le camouflage. Et voilà, bah, pour avoir par exemple la couleur, on va dire, brush, faut faire tuer 150 ennemis avec cette arme en étant accroupi. Là, obtenir 35 assistances avec cette arme. Il y a plein de défis. Oh, un peu mieux que Black Ops 2, je trouve. Donc il y a aussi ceci. Donc voilà, tous les équipements se font avec les genres de jetons en or là. Donc voilà, par exemple, vous voulez ça. Ici, j'ai pas assez, mais voilà, vous cliquez et puis vous le prenez. Je trouve que ça, c'est une bonne idée, mais pas tout le temps parce que des fois, on n'a pas assez de jetons et on aimerait bien refaire une arme. Donc les snipers à verrou, ce sont l'USR et le L115. Donc celui-là, c'est celui de MW3. Voilà. Il y a les équipements assaut. Donc ceci, c'est un style de drone que vous mettez sur le sol. Ça, c'est l'IMS. Le chien d'attaque, donc vous faites sa kill, vous sifflez après votre chien. Le chien arrive et puis après le chien il attaque les ennemis, tout ça. Et il faut quand même 3 balles de sniper là, pour l'achever. Donc je trouve que c'est quand même pas mal ce chien. La tourelle auto, il y a le Rocket Trinity, ça lance des missiles quoi. L'hélico d'attaque, le vautour, le griffon, donc ça doit être un genre de Dragonfire. Le mastodonte fou, le mastodonte. Le pilote hélicoptère. Donc ça, je pense qu'on pourra peut-être le piloter. J'en sais rien. Et le Loki. Prenez un saut de champ. Mais bon, j'ai pas encore testé tout ça. J'aimerais bien. Je vous ferai des vidéos là-dessus. Donc voilà, j'ai aussi un autre, hein, comme vous voyez. Voilà. C'est pas grave. Ça peut vous acheter les personnages. Le problème, c'est qu'on les voit pas. Mais bon, voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire? Dans les opérations, donc voilà tous les trucs qu'on vous demande de faire. Par exemple, ici, opération à tout expert marathon, terminé. Je gagne un truc. Ici, c'est opération première classe, toujours mortel. Donc, effectuez l'élimination avec votre arme principale et secondaire en une vie 10 fois. Donc voilà, vous faites beaucoup de choses, je trouve que c'est vraiment bien. Il y a la caserne pour le classement, victoire, élimination. Voilà. De vos amis, et je crois qu'on peut mettre ouais voilà, on peut mettre de tout le monde. Hop. Hop, voilà. Je sais pas ce qu'il fait. Oh bah zéro de ratio le plus haut. Ok, bon, ça je ne sais pas pourquoi c'est zéro de ratio le plus haut. Faut pas chercher à comprendre. Donc voilà, il y a les scores de domination d'affecté, tout ça. Il y a les infos pour votre clan. Mais nous, on n'a pas encore été classé vu qu'on n'a pas encore rien fait.
Voilà. Donc, j'espère que le multijoueur vous fera envie. Je vous le montrerai vite fait après. Donc, il y a le mode escouade. Ici, c'est l'assaut d'escouade. Ça veut dire, vous faites un genre de truc 3 contre 3. Et vous vous battez et vous gagnez plein de points. Ici, c'est aussi l'épreuve combattant de front de l'escouade d'un autre joueur, différents modes. Ouais, c'est plein de modes, quoi. Heurtrer, la difficulté, croissance. Ouais, il y en a au bouclier, tout ça. Mais ce truc-ci, il est vraiment bien, l'escouade. J'ai joué quelques fois, j'aime bien. Et il y a un nouveau truc que je n'ai pas encore été voir, c'est l'extraction. Donc, joueur en ligne, partie publique. Extraction, chapitre 1. Donc, pour moi, c'est peut-être un genre de campagne, mais en ligne. Je ne suis pas sûr, tu vois. Bah, je le ferai et je vous dirai ce que ça c'est et je vous montrerai peut-être un petit truc. Donc, je ferai sûrement la campagne en votre compagnie. Donc, si on va. Je vais juste vous montrer une partie en affecté. Vous montrer un peu ce que c'est l'affecté. Donc, voilà. Hop, je vais muter tout le monde. Hop. Muter. Le problème, ce qu'ils n'ont pas fait, c'est qu'ils n'ont pas fait comme Triarch, c'est qu'on ne s'est pas muté tout le monde d'un coup. Ça, je trouve que c'est vraiment, vraiment, mais vraiment dommage. Parce que quand on ne s'est pas muté tout le monde, c'est un petit peu chiant. Chaque fois muté à part. Voilà quoi. Voilà, je vais vous montrer. Je suis pas toujours très très fort en affecté, mais bon, je vais vous montrer quand même. Pour ceux qui ne connaîtraient pas le mode affecté. Donc voilà, j'espère que la vidéo de Call of Duty Chaos vous intéressera. Ce jeu-là est vraiment bien. Et je vous ferai une vidéo sniper avec un pote. On en a déjà fait une, je pense pas la sortir parce que les gens ont ragé et ont pris la mitraillette et c'est parti en schnike, comme on peut dire. Les mecs ont vraiment fait n'importe quoi. Et voilà. Donc on va vous sortir une vidéo au sniper sur Ghost. Mais avant, il y aura une. Au sniper sur Black Ops 2 pour finir en beauté Black Ops 2 quoi parce que il est toujours c'est toujours un bon jeu même si on a arrêté de jouer avec quoi même si j'ai été un peu déçu c'est le sniper qui m'a plus plu donc voilà comme je vous ai dit vous commencez avec un fusil à pompe il faut faire attention à tout le monde parce que l'affection va tomber sur quelqu'un on espère que ce ne sera pas nous pour cette fois-ci parce que je l'ai déjà eu quelques fois et ça me casse la tête. Ah, voilà, c'est pas moi. Donc, le premier ici commence avec une arme pour pouvoir tuer une personne. Donc, c'est bien un fusil à pompe. Hein. Voilà. Je vous le montrais vite fait. Hop. Voilà, vous avez une grenade flash. Ah, je vais la lancer vite fait, j'en ai pas besoin. Donc, ce jeu est vraiment basé sur le campage un peu, mais bon. Je vais vous dire, la plupart des gens vont camper. Je ne sais pas s'il y a la MOAB parce que. Tantôt, j'ai failli peut-être en sortir une. Si je pense si c'était s'il y avait la map, en fait, je pense que j'en aurais sorti une. Mais les gens ont ragé donc ils ont pris la mitraillette quoi. En partie personnalisée, bien sûr, j'ai failli la sortir, mais pas en normal. Mais bon, ça aurait quand même été bien de le voir. Mais je vais essayer de la sortir en partie personnalisée comme ça avec un ami, juste faire un AVA et voir si la MOAB existe ou pas. Donc voilà ce mode de jeu, comme je vous dis, l'affecté. Hop. Je trouve aussi que la façon de sauter n'est pas mal. Regardez, hop là. On dirait vraiment qu'il se couche. Et aussi quand vous appuyez sur rond pour vous coucher, et ben ça fait ça. Voilà, je suis affecté, comme ça vous voyez un petit peu ce que c'est. Hop, on va aller tuer des personnes qui campent. Oh là là. Par contre, ce qui est bien, c'est vraiment les échelles. Ils ont vraiment refait comme MW2 qu'on puisse monter partout, 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 partout. Ça, c'est vraiment bien parce que on peut monter. Allez, je dis partout, mais bon, c'est vrai qu'il y a des endroits qu'on peut pas monter, mais c'est quand même très rare. Par exemple, ici, ouais, ici, on peut pas. Mais bon, c'est vraiment bien. Comparé à tous les autres que j'ai l'habitude de rejouer, eh ben, il y avait plus d'endroits où monter. Je suis plus fort au couteau. Hop là. Je ne sais pas comment il. Ah oui.
Non, putain, par où il est monté? Ah, par l'échelle. Ah, vous avez vu ou quoi? Qu'est-ce que je vous disais que c'était un jeu de campeur? Quand je vous dis que ce jeu-là, un jeu de campeur, c'est abusé ou quoi? Voilà, quand vous appuyez sur Select, ça se met ici sur le côté. Ça aussi, il est pas laid. Hop là. Putain, vas-y, quoi. Il prend pas. Oh, vous avez vu ça? Campeur. Ça, c'est vraiment chiant ce mode de jeu parce que il y a trop de campeurs, quoi. Ce serait bien. C'est vrai que le truc qui est de mieux, c'est qu'il n'y a pas de map comme Doom. Donc, pas de mob trop facilement. Et puis, si on tue pas une personne avant 1 minute 50, et ben le jeu termine. Donc, enfin, 2 minutes, mais bon, le temps d'édition, on les compte pas vraiment parce que c'est le temps que tu. On change. Donc là, il y a un dernier. Hop, voilà, il y a quelqu'un qui l'a tué. On va vous laisser le killcam et je vous laisserai là-dessus. Donc, j'espère que cette première vidéo vous aura plu. Et voilà. Donc, merci à vous de l'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous plaira. J'espère que vous voir vraiment chaud pour jouer avec moi peut-être. Donc, mon nom c'est Sosowhite, vous le voyez là. Et essayer de me rejoindre peut-être, mais je vais peut-être changer de pseudonyme. Donc voilà, merci d'avoir regardé ma vidéo et à bientôt. Bonsoir et bonne journée.